Mon première expérience de mort imminente est passée à l'âge de 6 ans. Je sortis avec ma tante à la plage. Et j'ai un petit bateau plastique qui s'est gonflé. Elle m'a mis dans ce bateau, j'adorais mon petit bateau, je suis une pirate, je suis sur les hautes mers, je cherche les îles perdues. Et à un moment, je regardais dans l'eau et j'ai vu le hippocampe. Et ça m'a fasciné parce que je n'ai jamais vu le hippocampe comme ça, juste devant moi. Donc, je bougeais dans le petit bateau et je tombais dans l'eau. Quand j'entrais dans l'eau, je ne suis pas paniqué. En fait, je suis fasciné par les choses que j'ai vues. J'ai vu le hippocampe juste devant moi, deux, qui sont juste, qui fait son petit promenade. J'ai vu beaucoup de poissons, j'ai vu les magnifiques choses, la lumière qui descend de la surface et qui descend dans les vagues comme ça, dans l'eau. Je regardais tout en bas et j'ai vu la lumière, le jeu de lumière et les vagues de sable tout au fond. Et à un moment, ça s'est devenu éternel, cette scène était devenue éternelle. Je suis parti de la mer, je fais partie de cette scène. Je connus la mer profondément, intimement, dans son intimité. Après, la mer était disparue dans un nuage. Et je tombe. J'ai une sensation dans mon ventre. Quand on descend très vite, je tombe. Je regardais en dessous, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu la mer, les montagnes, la côte, le petit bateau. Et ça m'a fasciné. Je regardais, je disais, waouh, j'ai jamais vu ça avant comme ça. J'ai descendu, j'ai vu la petite voiture qui roule dans les routes, le petit fourmi sur la plage et dans l'eau. Et j'ai vu un moment, un groupe de personnes, et dans le centre de ce groupe de personnes, il y a un petit garçon. Je tombais, je continuais de descendre vers la direction de cette groupe et vers la direction de cette corps. Et j'ai vu à un moment que ça c'est le garçon que j'ai reconnu. Je tombais dans le corps, il y a une flash, j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu les têtes autour de moi, les gens qui sont un peu paniqués. Ça, c'est mon première expérience. Le deuxième, c'est passé à l'âge de 17 ans. Je jouais dans un groupe. Et un samedi, on a fait un concert. Dans cette halle, les gens sont déjà commencé de se mettre dehors pour entrer. Cette soirée, je prêtais une grande ampli pour mes instruments, comme ça. Je l'ai branché
je allumais et j'entends du pop. Pas de lumière, rien du tout. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je regardais, le fusible était cassé. Maintenant, quoi faire? Parce que c'est samedi soir, tous les shops sont fermés, j'ai pas un remplacement. Mais comme un bon inventeur, j'ai une bonne idée. J'ai vu le paquet de cigarettes de mon ami. Je lui dis, donne-moi ton paquet. Je sortis la cigarette et je commençais de rouler le morceau de folie. So, je roulais cette folie dans une petite pièce comme ça, roulée, et je mis dans la boîte de fusible. Je fermais la boîte, je branchais l'appareil, j'allumais. Oh, regarde, magnifique! Toutes les lumières sont allumées, c'est génial! Je pris mon câble, je l'ai branché dans l'amplificateur. Je pris l'autre côté de câble et je commençais d'aller vers mes instruments. J'arrivais juste derrière mon synthétiseur. Et juste avant de mettre le câble dans le trou, je touchais le tip. À ce moment, quelque chose de particulier s'est passé. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté et j'ai vu le panneau derrière mon instrument qui a commencé de s'éloigner, mais comme dans un film, les flashs, tchac, 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 tchac. Après ça, je suis dans l'espace. J'ai une conscience, je suis consciente. Je suis dans l'espace. Je vois les étoiles tout autour de moi. Je n'ai pas encore, mais c'est comme une sorte de nuage. Je suis étonné parce que mes jambes, mes pieds sont quelques centaines de milliers des années de lumière à l'autre côté. Je ne le vois pas, mais je le sens. Mon corps était cet nuage lumineux. Je voyage à une vitesse extraordinaire. Je passe les étoiles, je passe les galaxies. Et je voyage vers une constellation. Le plus proche que j'arrive vers cette constellation, je vois plus et plus les étoiles. J'approche et le plus j'approche, encore plus et plus les étoiles. Ça s'est commencé avec quelques dizaines, après les centaines, après les milliers. Et après, j'ai vu un corps lumineux des milliards d'étoiles. Et j'ai réalisé aussi cette constellation a eu une forme humaine. Parce que j'ai vu quelque chose qui... une forme de tête, une forme de corps, des jambes, des bras. Et à un moment, il y a un flash, je tombais dans cette grande luminosité. Et après cette flash, je regardais et j'ai vu le plafond de scène, avec les lampes, les fils. Et j'ai entendu les gens en panique. Je suis levé, mon guitariste était complètement à côté. Je demandais, qu'est-ce que ça s'est passé? Et elle m'a dit, je ne sais pas, mais on t'a vu que tu es volé par toute la scène et tu es tombé sur ton dos. Et voilà, tu es là déjà quelques minutes et Mike est déjà sorti pour appeler l'ambulance. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de téléphone portable. Je dis, ah non, tout va bien, tout va bien. Je regardais pour chercher mon câble. J'ai pris le câble, mais cette fois, je n'ai pas touché le type. Je l'ai branché et on a fait notre concert. Après cette expérience-là,
Je commençais vraiment de sentir les choses et de voir les expériences bizarres. Par exemple, je passais une lampe, elle s'allume. Je passais une machine, elle s'entend. Je se promène dans la rue, les lampes s'entendent. Je s'éloigne de cette lampe, elle s'allume, je l'approche, elle s'entend encore. Sur ce phénomène-là, avec les appareils électriques, quand j'ai cette sensation, cette sorte de picotement, sur ça m'espace, ça, quand je entre dans une sorte à la caisse, dans un shop, devant les machines de banque, ça me s'espace. Dans les voitures, ça c'est moins drôle, quand toute l'électronique dans les voitures s'arrête. Ça me s'espace tout le temps, depuis des années même. Il y a des autres sensations qui sont liées avec les gens, avec les lieux. Et en fait, c'est là où je commençais de me poser beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que c'est ce phénomène. Et c'est là où je vraiment entrais d'essayer de comprendre. Je commençais de lire les livres, les concepts mystiques en judaïsme, le mysticisme chrétien, tout le concept chamanique, bouddhiste, etc. Et j'ai vu quelque chose de particulier, c'est dans toutes ces différentes philosophies, il y a certains concepts qui sont similaires, très similaires. Et comme j'aime bien mettre mes pieds par terre, j'ai commencé à enlever tous les aspects culturels. Parce qu'une civilisation qui était développée dans le désert, on n'a pas eu le même environnement, les mêmes conditions de vie comme le peuple qui sont, par exemple, qui sont apparus dans les montagnes, dans les jungles, sont bien sûr dans leurs histoires, dans leurs concepts, les images, ils ne sont pas les mêmes. Mais le but de ce savoir, de cette sagesse, j'ai vu que c'est similaire dans tous les différents concepts humains. C'est ça mon point de départ, d'essayer de comprendre ce phénomène lié avec le vivant, lié avec les apparitions, les visions, l'état de conscience modifié. Parce que différents peuples ont développé différentes techniques d'arriver par là. Les certains ont fait la méditation, les autres ont fait le chant, les autres ont fait les jeûnes, les autres ont utilisé les plantes, les substances. Mais le but de toutes ces différentes pratiques, c'est d'arriver dans cette zone dans laquelle la conscience se modifie. Et on observe autour de nous une autre couche de notre univers et en fait de notre réalité. Et c'est ça toujours la grande question, c'est quoi la réalité? Qui a le droit? Si on revient à notre ami M. Einstein, 1905-6, quand il est sorti avec cette fameuse
travail. Lui est la première personne qui a proposé que réalité était liée avec le point de vue de personnes qui les observent. En printemps, cet arbre ici était magnifique, c'est un cerisier. Elle est plein de fleurs. Un homme regarde cet arbre et il dit « Oh, quel magnifique arbre! Ça sent bon, c'est joli, regarde mon bel jardin. » Une abeille vient vers cet arbre, elle dit « Oh, c'est un bon arbre, je vais aller piquer un peu de nectar et des pollens. » Un chien regarde le même arbre, il dit « Ouh, je vais marquer mon territoire » et il va pisser à côté. Ok. On a trois différentes perspectives. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que passe dans le cerveau d'une abeille. Mais si les trois êtres avancent vers cet arbre et ils ne tournent pas le bon moment, le trois va taper la tête. Ok? En fait, il y a une réalité objective pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on imagine, ou qu'est-ce qu'on... notre conception de cette réalité peut être n'importe quoi. Mais en réalité, il y a cette objectivité. Et ça, je trouve un peu bizarre dans le monde de l'homme. On se bat avec différents concepts, le concept philosophique, politique, économique, etc., etc. Mais en fait, on oublie qu'en réalité, il y a une objectivité qui est bien pour tout le monde. Parce que n'importe qui, s'il se coupe avec un couteau, il va saigner. S'il fait froid, tout le monde va être froid. Même s'il est esquimau, même s'il vient d'une jungle en Amazonie, il va être froid, au fin. On oublie que cette objectivité, et on se polarise. La troisième expérience de mort imminente, se passait à l'âge de, je sais pas, 24 ans. C'est hiver, et en Canada, l'hiver peut être très dur. Cette journée, il a plu, mais c'est la pluie gelée. Quand je sortis de la maison, c'est magnifique, hein, parce que tous les arbres, tous les fils, toutes les maisons, c'est comme ils sont faits de glace. C'est magnifique. C'est beaucoup moins drôle d'essayer de marcher ou de rouler dans les routes. Mais ce matin, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui me demandait de construire un studio pour lui. Donc je dis, ok, je garde ce rendez-vous. Je roulais ce matin doucement, mais après je commençais d'apprendre un peu mieux la route. Et je montais une colline. Mais bien sûr, il y a l'autre côté qui descend. Quand j'arrivais tout en haut, je roulais à une bonne vitesse. Et la colline était commencée de descendre. Et j'ai vu tout en bas, c'est un feu rouge, il y a des voitures qui sont garées à la feu rouge. La dernière, c'est un camion. Je commençais de freiner, mais oublie, hein. Je suis dans un Beetle, un vieux Beetle. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien comme ça. Tout freine, mais rien ne se passe, ça glisse, comme rien. À ce moment-là,
J'essayais, voilà, toutes les manœuvres, parce que bien sûr, au Canada, on prend beaucoup d'expérience dans les conditions particulières, dans la neige, dans les glaces, etc. Mais rien ne s'est passé. Finalement, je me dis, écoute, c'est imminente, je vais taper ce camion. À ce moment-là, le temps se ralentit à nouveau. Le temps se ralentit, mes sens sont travaillés à 150%. So, chaque mouvement, chaque son était très clair et très, très net. So, première chose que j'ai vue, c'est le voiture qui est tapée derrière le camion. J'ai vu le pièce de métal qui est allée comme ça, qui a pénétré le vitre et qui m'a frappé à la tête. J'ai vu le sang qui a fait ça. La prochaine image, je suis dans un lieu lumineux, nuageux. Et je suis devant une sorte de portail. Et devant moi, il y a un être lumineux qui m'a dit, « Wow, Pierre, tu as vraiment fait une bêtise cette fois. » J'ai dit, « Ah oui. » Et il m'a dit, « Tu peux passer. » Je réfléchis un petit moment, je dis, mais écoute, peut-être que vous me donnez une autre chance parce que je n'ai pas encore finir tout ce qu'il me faut. Et il m'a dit, ok, tu peux retourner, mais il y a une condition. Et cette condition, c'est si tu peux faire tourner toute la scène à l'inverse que tu as juste observé. So, je dis ok, je suis prête. So, je commençais à observer cette scène, mais à l'inverse. So, la première chose, le son qui s'est arrivé et se formait la tête. De vitre s'est formé, réformé. Le métal s'est réparé. Il y a un flash. Et ma voiture était coincée entre un arrêt de bus en vert et un pôle téléphonique. Et j'ai pas de place pour ouvrir la porte ni de l'un côté ni de l'autre côté. C'est vraiment avec 5 cm entre cet arrêt de bus en vert et avec cette pôle téléphonique de 10 mètres. Je retournais à cet endroit plusieurs fois parce que je n'ai jamais compris comment ma voiture peut être à 90 degrés de la route, complètement gelée, sans rien, pas un scratch, rien du tout. Et ça toujours m'a fasciné, cette dernière expérience. Parce qu'après cette dernière expérience, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Et ça, je vous explique après. Après mon deuxième expérience de mort imminente, un soir, j'arrivais à la maison, je garais la voiture, j'entrais dans ma chambre, je suis mis au lit. C'est minuit, je sais pas.
Le moment que je fermais les yeux, je commençais d'entendre un son, une sorte d'orage. Je pensais, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'écoutais, c'est un orage qui approche. Donc, je me lève de mon lit, je regarde par la fenêtre, je vois rien. Je vois les étoiles, les arbres dans le rouge. Je suis remis dans mon lit. Le moment où je fermais les yeux, le son était recommencé. J'écoutais, et c'est un orage incroyable. Waouh, quel orage! Je me levais à nouveau, je regardais, rien du tout. Bizarre. Et j'en comprends rien. Je serais mis au monde. Encore, à ce moment, je fermais les yeux. 10 secondes après, orage. Et cette fois, j'ai dit, non, je suis fatigué, je reste au lit. Mais l'intensité était augmentée, jusqu'à le moment où je sentis comme toute la maison tremble et la fenêtre va se briser parce que, wow, écoute cette vibration. Je me suis levé, j'essayais de se lever, mais mon corps ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à se bouger, je ne peux pas bouger ni mes doigts. L'intensité de son continuait, c'est un son d'un orage. Une gigantesque chute de l'eau. Et je commençais à paniquer. Je n'arrive pas à bouger et j'ai envie de bouger et je ne suis pas endormi parce que je suis déjà levé deux fois. Et jusqu'à un moment, je vois une lumière qui se forme dans ma chambre, grande flash, et devant moi, je vois une grande être. Lumineuse. Waouh, ok, ça c'est un alien ou ça c'est un ange, parce que pour moi c'est égal, parce qu'il est là, c'est ange, alien, it's ok, you know, vous êtes bienvenue. Il m'a dit une chose, il m'a dit paix. Ça s'est résonné dans chaque cellule et je devine absolument claire, présente, consciente de chaque minuscule détail. Je suis dans mon lit, je n'arrive pas à bouger, il y a cet son, il y a cette personne, être là, peut-être c'est alien, mais peut-être c'est ange. Je sentis mon perspiration de mon corps. Et il a commencé une conversation. Et il m'a dit, Pierre, il y a quelque chose que tu dois faire. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, ça, je te dis un jour. Mais pour l'instant, je veux que tu notes chaque conversation que tu vas aller avoir avec. Il a disparu. Je sautais de mon lit, je suis complètement mouillé. Il n'y a pas de son. À ce moment, je pensais s'il y a tous les pompiers qui sont devant la maison, mais rien, le silence. Dans la salle de mes parents, ils sont endormis, mon frère dort. Moi, j'ai changé mon pyjama parce que c'est pendant que je peux faire comme ça, faire l'eau qui sort. Et je me remis au lit. Et j'ai eu une bizarre
sommeil. Le lendemain, j'ai presque oublié qu'est-ce que ça se passait. Mais quelques semaines après, je commençais à sentir une présence. Et présence me parle. Et je commençais à noter notre conversation. Mais à un moment, quand je discutais cette expérience avec mes parents, ils sont envoyés chez mon psychiatre. J'expliquais ça à mon psychiatre. Qui a dit, Madame Bézard, vous avez un fils qui est un peu, c'est probablement le traumatisme, quelque chose qui effrite dans son cerveau après l'électrocution. La prochaine fois, quand mon être était apparu, j'expliquais ça. Je dis, il pense que je suis complètement malade. Et, il me dit, ok, tu sais quoi? Je te fais quelque chose. Et comme ça, un jour, je se promène au bord de mer, sur une vacance. Une femme m'a approché et dans mon main, elle a mis quelque chose. Elle m'a dit, c'est la tienne, garde-la. J'ai ouvert la main et j'ai vu un petit objet. Je dis, waouh, c'est cool ça. Je l'ai mis dans mon poche. Je retournais au Canada après la vacances. Je ne pensais pas grand chose. Mais un jour, une amie a vu ça sous mon table. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle me proposait d'aller à la musée en Toronto, département d'antiquité, de demander qu'est-ce que c'est, parce que c'est peut-être quelque chose romain ou grec ou quelque chose comme ça. C'est un objet un peu comme ça, avec 8 côtés et une écriture dans le centre. À la musée, le gars me demandait, regardez, il dit, ouf, c'est intéressant ça, mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, laissez ça ici. Il m'a demandé si je suis d'accord s'il fait un test de carbone 14 chimique, analyse chimique. Je dis, ok, mais un petit morceau. Quelques semaines après, un appel, c'est le musée. J'allais à le musée, le gars me dit, intéressante. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, Monsieur Rubeza, votre analyse carbone 14. Mais il n'y a rien. Exactement, il n'y a rien. On ne comprend pas. Voilà, Monsieur Rubeza, votre rapport analyse chimique. Rien. Il m'a dit, on n'a jamais vu ça, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais le musée était prêt d'acheter la pièce. Non, pas aujourd'hui, merci. Je suis parti avec mon pièce. Parce qu'il m'a dit, on ne sait pas, on ne comprend pas le matériau. Ce n'est pas en pierre, ce n'est pas le bois, ce n'est pas en os, ce n'est pas en céramique, ce n'est pas en métal, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quelques ans plus tard, je fais la même chose à le musée Royal Museum à Londres. Même résultat. Aucune idée, qu'est-ce que c'est? Analyse chimique, zéro. J'essayais plusieurs fois d'avoir une rayon X. Et ça, c'est le seul rayon X qui reste, la seule image. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Mais on voit au minimum, plus ou moins, la taille et le 8 côtés,
de cette pièce. Normalement, les rayons X sont tous blancs ou tous noirs. Ok, ça c'est le seul qui était sorti. C'est bien, mais quand même, le rayon n'était pas pénétré du matériau. Parce qu'on ne voit pas le I, l'écriture. Ça fait 2 ans, j'ai une magnifique opportunité de travailler avec le Laboratoire National aux Pays-Bas. Et dans le Laboratoire National aux Pays-Bas, il y a un tunneling scanning microscope. Un génie des ingénieurs humains, une machine dans laquelle on peut mettre n'importe quoi, un stylo, un téléphone portable, un morceau de poussière. C'est comme un petit sous-marin de métal. On a pris les pièces, on a mis dedans, on a fermé la porte. Et après, il y a la lumière qui tourne. Parce que la machine fait un vide. Elle fait un vide parce que le microscope était si puissant, s'il y a l'air, il photographe les molécules de l'air. Ok? Ça, c'est un microscope top class. Ça travaille, la pompe qui tourne, la lampe qui tourne. 10 minutes, 15 minutes. 20 minutes, pas de vide. On attend la lumière verte sur la capsule. Non. 30 minutes, pas de vide. So. Intéressante. Opératrice. Machine en panne, il faut appeler service technique. Okay. On a parti le soir parce que c'est déjà au soir. Le lendemain, le matin, j'arrive. Ok, service technique était arrivé hier soir, ils sont contrôlés tous, mais la machine était bonne, il n'y a rien avec la machine. Ok, excellent. Remis les pièces dans la machine. La pompe commence, la lumière tourne. Attends, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de faire le vide, non. Et juste avant, elle a poussé le bouton de dire non, arrête, encore, machine tombée en panne, lumière verte, on a du vide. Waouh, génial. Ok, so, derrière l'écran, on voit rien, il n'y a pas d'image. Mais est-ce que la pièce était dans la machine? Oui, parce qu'on la voit sur la petite fenêtre, elle est là. Elle contrôle. Pas d'image sur l'écran. Crash ordinateur, il faut redémarrer. Ok, redémarre l'ordinateur. La capsule était tenue, son vide, et tous les ordinateurs sont redémarrés. Écran, pas d'écran. Pas d'image. Elle a dit, je ne comprends pas, ça ne me s'est jamais arrivé. Elle a dit, il y a seulement une chose que je peux essayer, je n'ai jamais fait, mais c'est de mettre la machine au maximum. Mais ça risque de faire exploser l'échantillon. Je dis, allez, fais-le. Au maximum. C'est comme dans un nuage, une image était apparue. Et on a vu la surface. Et la première image qui est sortie, à 15 000 volts, magnification x 30, c'est ça. La surface de pierre. De cet objet. Ok. All right.
Bien, maintenant c'est un appareil qui peut descendre jusqu'à la structure atomique et qui peut nous sortir la composition. 1000 magnifications, on est arrivé à cette image. Mais le problème ici, c'est très flou, et ça c'est seulement magnification fois 1000. Le problématique, c'est le petit point. Parce que ce sont les petits points lumineux. C'est en fait une lumière qui sort de l'intérieur de cette pièce. Et après, on ne voit rien. Parce que ça devient complètement flou. Ok, on dit, d'accord, so, optiquement, on ne peut pas entrer plus, mais allez, on peut sortir maintenant le spectre atomique. So, nous sommes commencés. Premier résultat spectral, c'est ça. Composition, CO. Ok, le reste, c'est rien. CO, CO, c'est quoi? C'est carbone monoxyde, non? C'est un gaz. Oh, c'est pas bon. Problème, on refait le test. Deuxième test. Résultat, CO. Ça, c'est pas possible. Troisième test. CO. So, on a fait toute une série de tests, chaque fois CO. Elle est appelée le directeur de laboratoire qui regardait ça, qui dit « Oh, mais vous testez un gaz ?»« Non, c'est la pièce qui est dans la machine. » il a regardé et il a dit « Tout ça, c'est la pièce qui est dans la machine ?»« Oui. » Il a dit, mis ça sur la table, il dit, machine était en panne, appelez service technique. Il est parti. So, voilà. Cette petite histoire de quelque chose particulier d'un objet qui, jusqu'à maintenant, personne n'était pas arrivé de me dire ce que c'est, ou d'analyser ce que c'est. Mais c'est cet objet qui est lié avec cette série de visions et de conversations avec ces êtres. So, moi, je ne suis pas un étranger de phénomènes et de l'expérience inexplicable. Mais en même temps, je suis vraiment terre à terre par rapport à mes actes, par rapport à mes inventions et j'espère par rapport à mon manière de vie. Mes accomplis et mes désirs.